phase, que ce soit offstage ou onstage, il se prend un bon gros combo. Je sais pas si ça mange bien les combos ladder Ganondorf. Il y a peut-être un monde où le fait qu'il soit lourd, genre il va se bouffer sa phase, mais est-ce qu'il meurt de la phase? Je sais pas en vrai. Il y a peut-être. De toute façon, on va le voir vite, je pense. Il s'en mangera les phases de combo. Et pour le coup, je pense que le match-up est moins horrible que Puff, mais voilà, ça se résume vite. Ça va se mettre des phases. Il va falloir trouver des rides de la part d'Oxydion, et puis c'est tout, hein. Franchement. C'est tout. On parle de match-up en fait. C'est moins compliqué contre Puff. Ouais, je suis d'accord. Parce que, comme je dis, le match-up. En fait, moi je pense qu'il vaut mieux perdre partout que. Oh, forward air. Gagner beaucoup sur un truc et perdre beaucoup sur un truc. Parce que quand dans la situation tu joues contre des joueurs comme Jin, quand eux ils ont un truc où s'ils l'abusent ils peuvent te tuer tout le temps, c'est trop dur. Alors que si tu perds un peu partout, tu vois, ça va au final, parce que tu peux quand même rester bien, tu vois, il joue Ganondorf, il a l'habitude de te voir un peu moins meilleur. C'est ça, ouais, faut pas lui parler de match-up, tant que t'as des failles un petit peu partout, si tu peux perdre un peu partout, tu peux aussi gagner un peu partout. Et ça fait toute la diff. Et pour l'instant bon. Pour l'instant complexe, mais ouais Ouh, on va se prendre un backer peut-être, non? On reste patient, franchement, on se précipite pas. On sait bien que Ganondorf est très limité dans ses options, donc il n'y a pas besoin de se précipiter. Mokra, c'est un joueur qui sait être à la fois très clutch et à la fois d'être très patient quand il faut. Et là, pour le coup, prend son temps, on crache sur Ganondorf littéralement, et puis voilà quoi. On couvre la roll, on le dit, bon, si tu rolls, je smash. Le message est clairement reçu de la part d'Oxydion, il roll pas, mais bon, on se fait gratter quelques pourcents. Et quand même, là, on devient à tout moment, on meurt d'un smash et. Ah! Oh putain, la neutre get up était audacieuse alors qu'il fallait juste get up attack. Là, c'est le facteur Ganondorf. Vous savez que vous devez get up attack, pourtant vous faites une neutre get up horrible et vous risquez de mourir sur un up smash piffé à 47%. Il était à range de get up attack, c'est pas sûr. Je crois, ouais. En fait, je connais pas assez Mario, mais je crois qu'il était vachement proche du ledge quand même. Il y a moyen, mais après, si on rate son timing, parce que je pense qu'il avait un timing où il allait faire get up. Mmh. Fallait choper, après, c'est dur à choper, on va aller le red up. Par contre, il. Ouais, Oxydion, il fait des. Ah ouais, ça tue pas! Non, mais même comment ça, Ganondorf, ça tue pas? Il a mis un vilain spike tout à l'heure. Et il y a Mokra, il s'est pris le smash IRL, hein. Il a bougé sur sa taille, il s'est fait enfoncer dans le mur, hein. J'ai tout vu. Non, mais gros, déjà, là, tout à l'heure, le spike de fou. Là, le clip de fou aussi, frère. Et on parle beaucoup du nerf de Ganondorf, mais le upper, par contre, de Ganondorf, c'est une dinguerie. Vraiment, ça sort relativement tôt, ça couvre une bonne range et là je pense qu'on. Et c'est un bon. Et là, je pense qu'on meurt pas. Genre dash attack upper, nair into upper, et l'upper, tu peux l'outil en beaucoup de choses. Et même en désavantage en fait, tu peux l'utiliser, ça te coûtera rien, tu fais saut upper, ça te protège et puis tu te mets pas du tout en danger. Et pour le coup, là on se met très bien pour l'Occident. Comme je dis, là, c'est vraiment la mobilité de Ganondorf qui le rend compliqué, mais quand tu regardes, il a le nerf de Falcon qui est très très bien, il a le up de Falcon qui est très très bien, il a le fer de Peach qui est très très bien aussi. Il a des bons coups quand même. Imagine Ganondorf avec la mobilité de Falcon. Mais ouais, non, franchement on a vraiment une dynamique différente de la game d'avant parce que. Déjà que j'ai du mal avec la mobilité là, j'imagine pas une game. Putain, ouais. Mais pour le coup, on va peut-être trouver. Ah, malheureusement, c'était complètement trop. Je sais pas si on a mal dit, mais je pense que tout à l'heure on l'a esquivé. Là, on a pris sa taxe. Franchement, bien joué de la part de Mokra qui a su finir là-dedans. Mais ce qui est vraiment difficile, c'est qu'on a vu un combo ladder effectivement qui a pas tué. Et ça a bien montré que, effectivement, à moins de trouver des combos forward air comme ça, on va tuer beaucoup sur des phases de ledge trap. Et du coup, on va pas pouvoir clutch sur des phases offstage comme avec Rondoudou tout à l'heure. On est obligé de bien prendre son ledge trap et bien prendre patience. Et comment dire, plus vous prenez du temps, même si vous mettez 15 fois Ganondorf offstage, il suffit qu'il trouve une phase et qu'il vous tue. Et ça donne effectivement un tempo qui est vraiment différent. Et même si c'est Ganondorf et que ça reste dégueulasse, ça donne beaucoup plus d'ouverture à Oxydion. Et pour le coup, l'espoir reste plus permis, même s'il a réussi à clutch ça sur un bon forward air, ça peut être difficile. Voilà, on trouve ces petites phases de upper et ouais, vraiment on a envie de se retrouver en top 4 pour Mokra. On a envie de rejoindre les potes et d'interdire Oxydion d'aller plus haut, même s'il a fait une énorme paire déjà en battant Dizet. Et ouais, on trouve. Oh non. Oh, ça va être. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh putain, la phase était tellement inventive et la part de Mokra, mais il était un petit peu trop inventif. Franchement, il a vu des choses qui n'existaient pas et on. Aïe, 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 petit flop de la part de Mokra. Ah, on va mourir là-dessus. Putain, heureusement qu'on prend cette stock par là, parce que là, pour le coup, louper cette phase de ledge trap sur un forward air obscur offstage, c'était pas vraiment autorisé. C'est un petit peu comme Ganondorf tout à l'heure qui a vu Oxydion, qui a vu un forward air offstage contre Rondoudou qui a pas du tout passé. Là, c'est exactement la même chose et force à eux en tout cas. Cap, très bon outil, hein, pour aller faire chier un Ganondorf. On pourrait faire chier beaucoup de Rico horizontal de genre là, franchement. Float into Cap, il y a beaucoup de personnages que ça invalide. Quoi, ce smash spot dodge en setplay. Mark il fait énormément de spot dodge en setplay, genre vraiment beaucoup. Et si Oxygen arrive à rite ça en mode charge un smash et c'est le mec qui spot dodge et t'attends, ça peut être. Il y a moyen de trouver des trucs. Ce que tu dois absolument faire quand tu joues contre Ganondorf, c'est absolument mix up
tout le temps, même quand t'as peut-être pas force. Tu vois, là il meurt. Il meurt juste de l'eau, horrible, putain. Horrible. Il meurt juste de l'eau, y'a pas, je veux dire. Y'en a des persos qui ont des ricos nuls à chier, mais mourir de l'eau de Mario, genre, ça c'est dur. Tu meurs un peu de l'eau de Mario, toi, ce qui est un peu mal, non? En vrai, non. En vrai, vraiment pas. Genre, je meurs. En fait, là, y'a vraiment eu un échec et mat de tu reviens pas. Genre, l'eau de Mario, si j'ai plus de sous, elle me met en difficulté. Elle donne à Mario un edgeguard facile, mais elle me tue pas. Là, ça a vraiment tué. Genre, y'avait rien d'autre. Non, faut que me tuer. Mon Cry s'est jeté offstage, il a fait un saut de l'ange. Les sauts de. T'as joué à Assassin's Creed ou pas? Ouais, ouais. Saut de l'ange dans la paille. Ah, il était. Là, saut tout le temps. Oh! Tout à l'heure, il l'a envoyé dans la tech chase situation. Et tu sais, il a fait un upper seulement sur la plateforme jeu. Je me suis dit, pourquoi il up smash pas? Bah là, il l'a bien fait. Ouais, c'est peut-être un mix-up. Là, c'est vraiment comme Ridley. Vraiment, t'as up smash garanti. Tu réfléchis pas. Et ça va break shield. Ça c'est pareil. Il y avait juste un roll. Enfin, quand tu revois ce clip, tu dis. Bah, il fallait roll out. Sauf que, encore une fois, t'as le facteur Ganondorf. Et là, tu shield. Tu dis, ok, je vais peut-être perfect shield. Mais non, en fait, si tu continues de shield. Je pense là, il a pas lâché le shield gratuit. Il a voulu pari. Oui, c'est ça. Exactement. Je reach, pari. Comme ça, je peux up smash derrière. Exactement, sauf qu'il a juste gardé son parce qu'il connaît ce genre de situation, Obsidian. Et ça tue. Effectivement, si tu te prends shield, tu te fais break def. Et si tu shield pas, du coup, tu meurs comme ça. Et malheureusement, bien joué. Et on reste sur l'ovation, franchement, pas besoin de changer, on prend la même et on recommence. Et on va se prendre un. Oh putain, on dive bien, mais malheureusement, ça va être chaud. On va réussir à revenir, on prend un B, on prend un side B. On tente. On tente un down air obscur. J'avoue, on couvre un petit peu. On reste au-dessus de cette plateforme, franchement, qui protège bien les approches de Mario. Mario, c'est à la fois très fort au sol, mais très fort pour approcher dans les airs. Mais au moins, si vous avez une plateforme pour vous protéger, vous pouvez essayer de jouer ce genre de truc. Et on continuerait les amis. Oh putain, ça, je fallait peut-être le charger un petit peu comme avant. On aurait peut-être eu quelque chose, mais. Oh ya ya, non, ça gimp. Horrible. Horrible boule de feu. Et ouais, non, frérot, c'est trop dur de solo cast. Je te jure. Non, en fait, c'est pourquoi c'est horrible. Dis-moi. Parce que moi au début je faisais beaucoup de solocast. Et le problème de solocast, c'est que t'as peur de laisser des silences. T'as envie absolument de combler tous les vides. Parce que quand tu geocast, tu commences et tu sais, t'as quelqu'un d'autre qui vient après pour combler, tu sais, quand tu dois réfléchir. Sauf que toi, du coup, quand tu solocast, ce que je faisais au début reboot, c'est horrible parce que t'as envie de laisser aucun vide. Et du coup, tu meubles et des fois t'as rien à dire et tu parles en rien à dire et du coup t'as peur. Là, c'est bon. La mocra a le cerveau activé, c'est bon. On a pas peur de ce Ganondorf et. Mais ouais, mais après, genre laisser des blancs, je trouve ça coupe trop la dynamique du cast en vrai. Genre. Tu sais, bah ça justement, c'est un truc que j'ai appris en castant. Il faut jamais avoir peur de laisser des blancs parce que des fois le jeu il parle pour lui-même. Tu vois. Et moi, ce que j'ai dit, il faut jamais donner plus que ce que le jeu te donne. Si le jeu il te donne rien, tranquille, toi, tu peux prendre les pauses et tout. Par exemple, là, imagine je solo cast pendant 2 minutes. Qu'est-ce que je vais faire si je veux dire. Vas-y. Très bon edgeguard, on va ride le saut ici avec le smash. On va essayer de remonter du côté d'Obsidian. Ah, on va être envoyé au stage. Tu vois, tu mets des petites pauses et en vrai, t'es pas obligé de trop donner parce que sinon après tu te crames. Parce que si tu donnes trop, après tu sais que tu perds des choses à dire et tu t'essouffles. Ouais, c'est bon là, j'ai envie de dire. Je t'ai DM le clip, télécharge-le et poste-le. Bat-il le tue, la pause, dépose, pose, il te rigole, il te donne Roger comme tout le selfie. Le clip est légendaire. Allumez Twitter, vous avez quelque chose à retweet les copains, ça va arriver. Non, mais attends, mais c'est franchement. Non, c'est le clip de l'année, normalement. Il le kill. Genre. Il fait pause après l'avoir tué, pop off de fou, rigole comme Goldie Roger, tout le monde qui rigole derrière, et le selfie ensuite, non, incroyable. Non, genre vraiment, j'aime bien les pop off, j'aime bien quand ça rigole et tout, mais genre c'est pas ce qui me fait le plus rire au monde. Mais là, putain, j'étais explosé, vraiment. Genre, c'était. Y'a. Y'a pas 2-1 Y'a pas 2-1 pour Mokra. Y'a 2-1 pour Mokra. Hein. 2-1 Mokra. 2-1 Mokra, ouais. On s'est senti que j'ai vraiment bien suivi le début de ce ouais, set. Ouais, non mais moi aussi, non mais en vrai, on parle, mais ouais, mais. Là, on est reparti sur le bastion du côté du petit mock, on s'est. Je pense, qu'est-ce qu'on a du ban? Je pense, il a du ban les deux trucs là, t'es magique, je pense qu'il ban. Oh putain, on a failli trouver le break shield. J'ai l'impression que ça fait moins de dégâts au shield derrière ce frais sens, parce que le move se passe pas mal. Après, là, tu vois, après bon, on s'en fout, hein. Il suffit de d'abîmer un peu au shield et puis c'est finito, hein. On trouve sidebase qu'on va roll out. Oh, je l'ai vu. Ouais, t'as retenu les in, j'ai dit in dans ma tête, mais j'ai dit out à l'oral, mais c'est pas grave. Bon, en tout cas, c'est intéressant ce que t'as dit sur le fait de laisser des blancs. S'il y a autant de gens qui apprécient regarder un stream juste en mutant les casters, ouais, c'est pas forcément par méchanceté, c'est juste que le jeu. En fait, c'est surtout que. Il y a beaucoup de. Déjà, il y a plein de facteurs qui font que quelqu'un peut pas aimer ton cast. Déjà, ouais. C'est trop facile. Tu peux pas plaire à tout le monde en vrai. C'est trop facile de dire, hey, la partialité, faire l'unanimité n'existe pas. Parce que regarde, par exemple, moi je te dis un exemple. Dex, c'est. Moi, ce que j'aime pas par exemple dans son cast, c'est sa voix.
Et donc, du coup, c'est même pas une question de technicité ou quoi, juste genre sa voix, j'aime pas l'écouter. Ouais. Donc, du coup, bah, quand j'ai ça, bah je mute le stream parce que juste c'est sa voix qui m'embête, tu vois. Mmh. Et il y a d'autres casters, bah, je dis ça parce que dès que je dis, c'est pour ça que je me permets de le dire. T'as le droit, hein, c'est pas de. Genre, par exemple, il y a d'autres casters, genre, qu'est-ce que je peux donner comme exemple. Et ben voilà. Ah putain, on a bien dit Aïn. Il y a même des casters que je trouve, tu vois, très très bons, genre aux États-Unis. Et je laisse, tu vois. Il y en a d'autres, genre, tu sais, genre, c'est la tonalité, le fait que par exemple, un castor va beaucoup rigoler, tu vois. Et il y a des fois des rires, ça te saoule, tu vois. Ouais. Ça, il y a plein de trucs. Et ça, c'est vraiment. Il y a tellement de. Pardon, excuse-moi. Il y a tellement de paramètres qui vont jouer dans un cast que c'est. C'est pour ça que des fois bah tu juste mute et c'est pas contre la personne juste. Ou même des fois des styles, par exemple je sais qu'il y a beaucoup de top qui mute les casques parce qu'ils se disent oh le mec il dit n'importe quoi le casque, tu vois. Alors que bah peut-être vrai aussi, mais bon après si tu veux pas parler du jeu tu peux faire commenter, tu vois. Ouais. Justement ce que tu disais par rapport au stream US, c'est qu'effectivement moi les castes à beaucoup entre potes, ça me fait péter des câbles aux US, genre je trouve ça, ils se marrent, je trouve ça pas drôle et tout, alors que là les castes SN Bagarre Canapé c'est les meilleurs moments de ma vie, tu vois. Parce que tu le vis de l'intérieur. Non mais même sans le vivre, quand j'ai regardé des SN Bagarre, ça me faisait trop marrer quand vous dites n'importe quoi en stream, tu vois. Qui joue aussi, tu vois. Il y a ça qui est ça. Ouais, il y a des casters par exemple, moi je t'en rejoins de Mister Bros parce que tu te rappelles. J'ai rarement, je vois c'est qui mais je l'ai rarement vu en cast. Et bah, du coup moi par exemple j'aime son cast en soi, je pense que si quelqu'un d'autre castait comme lui, j'aimerais pas trop. Mais le fait que ce soit un pote à moi vraiment, bah j'aime bien du coup ce qu'il dit et j'aime bien l'écouter, tu vois. Et tu sais, il y a la partialité qui va jouer forcément, tu vois, il y a des casters aussi, genre tu les connais, c'est tes potes et du coup t'aimes trop leur cast alors qu'en vrai il est pas si ouf mais juste bah parce que c'est ton pote, tu vois, tu peu, oh bien, oh putain. Genre, ah. Oh par contre juste ça me fait rêver parce qu'il a loupé, il y avait deux up smash. Il y avait deux up smash ultra clutch qu'on faille passer. Genre c'était au bout des doigts qu'il arrive à c'est clutch malgré tout. Dans l'espèce de ça met bien. Dégueulasse, là, c'était le down. C'était pas un jab plutôt. Ah oui, ah oui, non, le F-Tilt, si c'est trop bien. Le down smash de Wi-Fi t'envoie dans le même angle, ça met trop bien, vraiment. Le down smash de Zelda aussi, je fais ça beaucoup. Ah putain, ah, je savais pas. Vieux truc comme ça, là. Ça t'envoie un peu vers le bas et tout. En fait, genre, c'est ça, ça t'envoie. Y a ça aussi avec le down smash de Puff. Ou tu sais, ça t'envoie ouais. Genre droit puis en bas. Ouais, bah comme Wi-Fi, ouais. Diagonale dégueulasse. C'est horrible, y'a vraiment des persos qui ont trop du mal à Rico avec ça. Donc, Ganondorf le premier, ouais, Little Man Ganondorf, horrible, vraiment. Attends, mais tu sais que là, ça veut dire y'a un monde où. Y'a 2-2, hein, y'a 2-2 pour le coup. Après, Mokra c'est le roi pour faire des sets serrés, genre il avait fait ça contre Crow, il a fait 2-1 contre Slacker il aussi serré. Il aime trop ça la scène Magar. Il aime bien faire des sets très serrés. Il a peur qu'on s'ennuie, franchement il est là pour nous, mais pour l'instant on se prend un downbeat, on a... Wow, on a... Ah la weekly ornithologie. La weekly ornithorynque. Oui, la weekly ornithologie. La weekly grappe. La weekly tourvol. Magnifique. Mais du coup, ouais, là on va mettre la pression ici. Il a plus beaucoup de shield côté Marc, mais on sait que plus beaucoup de shield ça va tirer souvent des gros options fortes de la part de Tidjian qui va essayer d'aller chercher là-dedans. On a l'eau qui va partir. Il s'est envolé, ça c'était les. Je trouve que y a, on se rend pas assez compte, mais Carapuce, Mario, l'eau, ça fait des fois juste te faire gagner le neutral. Juste en bas de l'eau, tu gagnes le neutral, c'est trop c'est fort. Vrai. Tu veux du sèche contrôle, tiens, tu l'as. C'est trop fort l'eau de Carapuce et de Mario. J'avoue, j'aimerais trop avoir un outil comme ça avec Wi-Fit. Putain, le désavantage. Okay, heureusement, il a fait le bon timing pour le faire, était trop. Je pense que le nerf, il aurait tué. Putain, on sent qu'il peut le faire, mais là, ça va être compliqué. Ah, malheureusement, on a Madi Eye. Ah ouais. Trouille, ça tue. Ouais, là, il va falloir trouver des trucs. Hein, l'ovation, je crois, ça a genre le même. Un plafond. Pas bas, mais genre plafond normal. Ce qui fait que tu vas mourir quand même à des pourcentages qui sont comme ça. Ok, on trouve ce Danby. Oh, putain, ça va pas tuer. Y'a pas de rage. Tu vois, ça c'est l'inverse, par exemple, moi je disais, c'est les casques canapés aux États-Unis, j'adore. Genre, ah ouais, ils sont 5 ou 6 à parler, genre Summit et tout, moi je. Mais je sais pas, ça dépend. Summit, j'aime bien. Ça dépend, je saurais pas expliquer, mais effectivement, il y a des fois où ça dépend ouais, ça trop, dépend, c'est ça, ouais. Summit, c'est un peu plus fait pour, ils ont leur canapé et tout. Mais quand c'est deux casters qui racontent leur vie, qui parlent même pas du tournoi, genre c'est trop bizarre, je trouve. Le cast sauce algérienne. L'origine de siphonner le cast, c'est ça. Qui font un débat sur la sauce algérienne. Ouais, mais horrible. Mais pareil, là je pense qu'effectivement, j'ai besoin de ses des potes, tu vois, vraiment genre. Et Oxygen qui du coup va perdre 3-2 ici contre le Mok. Moi je t'avais dit, hein. Je suis en Mokra, il aime bien aller en dernière.